Ouais, mon frère, je vais essayer de te répondre parce que tu sais, moi j'analyse l'actualité politique. Je ne suis pas un comédien. D'abord, dans un premier temps, il faut savoir qu'à l'état actuel des choses, il y a plusieurs scénarios qui se présentent. D'abord, dans un premier temps, il est fort probable que le PDG réalise son rêve d'aller aux élections, donc en 2023. La suite, c'est quoi? C'est que quand on va aux élections, évidemment, le PDG va gagner puisqu'ils vont mettre en place les mêmes mécanismes pour gagner. Une fois la victoire dans la poche, les institutions confirment la victoire, la prochaine étape, c'est quoi? C'est la révision constitutionnelle. Ça va donner quel résultat? C'est qu'une fois qu'on revoit la constitution, on donne un autre statut au vice-président de la République. Le statut qui permet au vice-président de la République d'assumer les charges en cas d'indisponibilité du président. Ça, c'est la prochaine étape. Une fois cette étape passée, on passe à une autre étape, la nomination. Une fois le président, le distingué camarade élu, il nomme alors son fils au poste de vice-président de la République. Et là, la suite est beaucoup plus facile. On déclare que le président est indisponible. Évidemment, le fils qui est nommé vice-président assume l'intérim. Donc, il va assumer l'intérim pendant 6 ans et il a la possibilité de mettre en place son propre système avec ses propres amis. Tu comprends ça? C'est ce qu'on appelle un scénario. Et c'est le scénario qui se dessine. Il n'y a rien d'autre à dire. Donc, moi, je ne suis pas un comédien. Je suis un acteur politique. Donc, moi, j'analyse la situation. Je suis lucide. Je ne fais pas de la comédie. Donc, moi, quand je prends la peine, moi, de venir des réseaux sociaux, c'est parce que moi, j'ai le souci. Parce que la direction, ça ne me rassure pas. Rien ne me dit que les acteurs actuels prennent en compte les réalités et la situation des populations. C'est ce qui me désole un peu. Mais sinon, pour le reste, moi, ça ne me cause pas de problème. Tu vois? Moi, je ne suis pas un mendiant. Je sais résister à la souffrance. Et ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ça fait longtemps que je résiste à la souffrance. Donc, moi, je ne mendie pas. Moi, le jour où tu vas entendre que j'ai changé de camp, quand je te dis que j'ai changé de camp, si j'étais avec Ali Bongo, j'ai jugé de défendre Ali Bongo par tous les moyens. Parce que moi, je ne suis pas hypocrite. Moi, quand j'aime quelqu'un sincèrement. Quand je m'engage auprès de quelqu'un, je m'engage auprès de quelqu'un sincèrement. Sauf si la personne arrive à me décevoir. Moi, c'est comme ça. Moi, je ne suis pas hypocrite, même pas dans mes relations. Donc, il ne faut pas confondre les gens. D'accord? Alors, demain, nous allons parler de la France.